Ouais, tu es en ce moment avec Emmanuel, j'ai vraiment besoin de savoir ce qui se passe. Emmanuel peut rien me dire de plus, on sait pas ce qui se passe, on n'a aucune idée de ce que vous avez vécu, messieurs. Ok, ça marche. Alors, je me suis fait enlever devant les commissariats, sur le parking du commissariat. D'accord. Ensuite, j'ai été enlevé par deux personnes. Une personne, cheveux noirs, cheveux très foncés. D'accord. Et une autre personne, cheveux blonds et qui parlait un peu wesh. Voilà, okay. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que tu vois Paul de Tekken? Ouais, de ouf. Il est à l'hôpital, ok, il est à l'hôpital. D'accord, ça marche. Je l'ai vu juste à côté d'Emmanuel, très bien. Ensuite, on a été, vous vous souvenez, sur Viremort, il y avait un point de transformation de la drogue. À côté de la supérette au nord du centre-ville. Ok, d'accord. Oui, c'était le point B. Oui. Ce point-là. Ils m'ont interrogé pendant quasiment trois quarts d'heure à l'intérieur. Et c'était une personne, sans me dire qui c'était, qui apparemment était liée à mon enlèvement avec Manu et avec Yago Mora. Ok, alors attends, bouge pas. Est-ce que Manu, t'as une radio ou tu veux que je t'en redonne une? J'en ai pas. Ok, je vais chercher une oreillette, bouge pas. Il y a une oreillette par ici. Dans mes affaires. Pour que Manu puisse. Dans tes affaires, je reviens. Merci. J'ai repris tes affaires, je leur ai dit qu'il y a. Parce qu'il y avait ta carte d'identité dedans et tout. Remets l'oreillette, vas-y, reviens parmi nous. Allô? Ouais, Manu, ça va ou quoi? Qu'est-ce que c'était qui? Ok, ces gars-là, ils sont liés à Yago Mora, d'accord? Il n'y a pas 36 000 personnes qui sont liées à Yago Mora dans cette ville. Ils m'ont interrogé pendant trois quarts d'heure concernant toi, ton implication avec Luna, ton implication avec notre enlèvement où j'ai perdu mon petit doigt. C'est une revanche personnelle, quoi. Donc, pour moi, c'est lié énormément à ça et c'est une des personnes qui était sur place le soir où je me suis fait enlever les petits doigts. Donc pour moi, c'est une vengeance personnelle. Il faut qu'on fasse la liste des personnes qui étaient là. Bref. Bah oui, parce que nous, on n'était pas là, on sait rien de ça. Ouais, j'ai compris, je vous explique. Il m'a bassiné pendant une heure. Rainbow n'est pas tenu, il n'y a que Ghost. Il a récupéré son numéro de téléphone. Mais bon, je pense que vu dans l'état dans lequel il est, ça devrait bien se terminer pour nous. Bref, c'est l'autre où il faudra s'occuper de lui, là, le cheveu blanc. Le blanc, ok. Ensuite, il est à l'hôpital, il est en train de se faire soigner. Ouais, mais je pense que lui, il faudra s'en occuper plus tard. L'autre, je me fais pas trop d'inquiétude, on saura qui c'est. Ensuite, il voulait absolument avoir des informations sur Manu. C'est Manu qui l'intéressait. Il pensait que j'étais dans leur groupe, dans son groupe, tout ça. Je l'ai embrouillé, machin. Bref, à un moment donné, ils m'ont demandé de faire venir Manu. J'ai réussi à prévenir Manu avec le bonbon par un message que ça allait pas, que je m'étais fait enlever. Ouais, c'est là qu'on a compris qu'il y a un problème. Je lui ai envoyé la position sans pouvoir en dire plus parce que c'est lui qui avait mon téléphone portable. Ouais. À partir de là, eux, ils ont attendu dans un buisson que Manu et Ghost arrivent. Et dès que les deux sont arrivés, ils sont sortis. Il y en a un des deux qui a ouvert le feu. Je crois que Manu est tombé assez vite. Je suis pas sûr. C'était un peu le bordel. Bah, de ce qu'il m'a dit, il a pris une balle et il est tombé. Ouais. J'ai foncé dans une véhicule qu'ils avaient laissé derrière. Je leur ai foncé sur la gueule. Je les ai défoncés. Et Ghost leur a aussi, pendant ce temps-là, tiré dessus et achevé au moins, je sais pas, il y avait peut-être une dizaine ou une trentaine de balles. Dans tous les cas, on a réussi à se barrer. On est dans un endroit en sécurité. J'y suis avec Ghost. Sortez pas. Parce Non, on est tranquille. Okay. On est tranquille. Il faut qu'on ait l'information sur l'état de santé des Manu, c'est le plus important. Mais là, ça fait énormément de choses. Il va s'en sortir, mais ce soir, il pourra pas sortir. Ok, ça marche. Parce que là, il a pris beaucoup trop, son état de santé est critique. Je suis avec le directeur, là. Ok. L'autre, le gars cheveux noirs, je pense qu'il est mort. Pour nous, il faut qu'on fasse le lien de savoir qui c'est. Et surtout aussi la deuxième personne, savoir qui c'est. C'est pas compliqué de savoir qui c'est, on en a un ici. Faut avoir les informations perso avec... Tu nous entends, hein, Gold? Ouais. Voilà. Bon, tu te renseignes sur les personnes qui viennent d'arriver, leur état de santé, quand est-ce qu'ils sortiront, et demain, vu qu'il peut pas sortir pour l'instant, Emmanuel, demain, réunion, et vous nous faites un gros topo parce que on comprend rien, enfin, on n'a pas tout suivi, on n'a pas le lien. Vous voyez ce qu'on veut dire? D'accord. Manu, tu vas sortir pour ce soir? J'ai perdu une flingue dans l'histoire, hein. C'est pour ça que j'ai pas pu intervenir. Ouais. T'as récupéré des armes ou pas ça? J'ai rien du tout. C'est la police. Ah, c'est la police. Ça a été pris par la police parce que les policiers sont sur les deux, hein. Ça marche. Donc, est-ce que je vais porter plainte ou pas? Bah là, je sais pas, il y a que Manu et toi qui ont laissé le fond d'histoire. Tu portes plainte, tu te dis que tu t'es fait kidnapper. Ouais. Tu comprends rien à ce qu'ils t'ont raconté. Ils voulaient ton ami qui s'appelle Emmanuel, et moi je suis venu. Et moi je vais dire que c'est pour ça que j'ai un masque, parce que tu m'as dit que tu étais dans la merde et j'ai mis un masque, je suis arrivé, j'ai mis une balle. Ça marche, on va faire ça. Je vais prendre Ghost avec moi, on va gérer le truc. Ça marche. On se tient informé, je reste sur radio. Tant qu'il n'y a pas de réunion, dites-nous votre position et l'alerte. On va pas tarder, nous, à bouger. Par
contre, ça marche. Restez couverts jusqu'à demain soir. Parce Ouais, là on joue en sécurité. Il y a pas de souci, mais vous non, on sait jamais. Je vais faire un bisou à Manu, j'espère que vous avez tout mémorisé, on se fera tout l'embrasse, tout l'embrasse de ma part et on se tient au courant. Oh merci, merci. Voilà. Allez, à bientôt. Désolé. Plus cher pour radio, une moto rouge avec un individu avec des cheveux blancs, ça veut dire quelque chose? Davin? Avec une moto rouge? Bah, je sais pas. Les gars, je suis revenu hier en ville, okay. Je sais pas ce qui se passe. Là, ce qui s'est passé, c'est que les mecs qui m'observaient là, ils ont été dans le local derrière. Ils sont restés un petit quart d'heure, je les ai observés, etc. Au moment où j'ai appelé la police, ils se sont barrés. Et il y avait un mec qui avait une moto rouge, et il avait une moto rouge avec des cheveux blancs, et il y avait deux autres individus avec, dans une berline noire. Cheveux blancs, mi-long tiré vers l'arrière. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que Tavin, il a des raisons de te vouloir ta mort? Tavin, il a aucune raison de vouloir qui, moi? Non, Emmanuel. En utilisant justement vos anciennes histoires où on n'était pas là en ville. Tu vois pas ce que je veux dire? Peut-être, mais ça me surprendrait beaucoup, mais peut-être. Ouais, mais alors pourquoi il bouge autant là à ce moment-là? C'est ça en fait qui m'intrigue. Pourquoi il bouge? Ouais, il bouge autant. Hein. Il est partout. Bah, parce qu'il cherche les Italiens, je pense. On verra demain. Ok. Si. Bon, écoute, Manu, repose-toi bien. Prends soin de toi, fais gaffe. Ok, on va mettre en repos. Ouais, c'est ce que je vais faire. Manu, il va retrouver son pistolet ou pas? Aucune idée, mais normalement, il n'est pas en état d'arrestation. Et s'il y a PPA, oui, donc normalement, il récupère. Ok, allez, prends soin de lui. Bisous. Allez. Parkinson aussi. Bisous. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que le commandant Enas, s'il vous plaît? Pas ici même, mais on a le sergent à votre gauche. C'est le capitaine qui voulait me voir, pardon, excusez-moi, c'est le capitaine qui voulait me voir. Capitaine n'est pas en ville pour le moment. 30, tu peux me faire un rapport sur la situation? Bon, bah, il me convoquera à ce moment-là, monsieur. Affirme. Passez une bonne soirée. Merci de même. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Très bien, vous? Ouais, quelqu'un s'occupe de vous? Ouais, tout à fait. Ouais, monsieur Mo est parti faire un test avec une quatrième personne. D'accord, ils font des tests, très bien. Test de conduite. Ah oui, d'accord. Improvise moniteur d'auto-école en plus de ça, c'est génial. Bah, ça, c'est beau. Vous savez, le service taxi, c'est pas n'importe quoi, messieurs. Quand on non, mais c'est compréhensible. Ouais, c'est ce qu'on voit, hein, ça a l'air sérieux. Hein. Vous aurez des gros clients, vous aurez des clients un peu tendus. Faut être prêt à tout danger. Moi, justement, je trouve ça très consciencieux. On recherche que la crème de la crème. Les motivés seront les plus. Bah, je vous en ferme, moi, de la crème de la crème. Là, vous allez bien, messieurs, alors? C'est vrai, super. L'attente est pas trop longue? Non, ça va. Une petite question, monsieur. Moi, oui. Pourquoi j'avais le doigt? Moi, je suis un fou. Comment vous vous appelez? Monsieur McGallaghan. Enchanté. Enchanté de même. Plaisir partagé, messieurs. Exactement. Partagé. Johnson. Oui, c'est... Ouais, je les occupe un peu, ces messieurs. Je te laisse finir tous les entretiens. Eh, bien sûr. Allez, monsieur Bartolomeo. Ça marche. Oh, attendez, là, monsieur. Ok, on va faire un petit peu de taxi. Let's go. Messieurs, je vais à la salle de sport. Fuchsia pour Radio, je suis à la salle de sport, il n'y a personne. Je fais un petit peu de yoga. J'arrive. Cascade. Namasté, mon frère. Namasté. 367. 368. Le soleil, le vent. 369. 370. Le hot dog périmé. 371. 372. 374. Hop, l'enfant de cœur. 365. Je la connais bien, l'enfant de cœur. Ça me rappelle notre jeunesse. Ouais. Ton papa nous emmenait dans les hautes caves du 9-2. Voilà. Namasté, mon frère. Namasté, mon frère. Ça, remettre la colonne vertébrale en place. Ouais. Regarde. Ah, tu vois, là, ça craque un peu, mais ça fait du bien, putain. Ouais. Allez, on est reparti. T'es prêt? Vas-y. Faut faire craquer la colonne vertébrale. Attends. Hop. Voilà. Oh, là, ça craque bien. Ah oui. Ça fait du bien, un peu de sport, hein. Regarde. Ah, bah, ça fait du bien, en tout cas. Ça y est, toi, t'es blindé, là. Putain, faut que j'aille en course. Fais chier. De quoi? Ouais, faut que j'aille acheter de la bouffe pour ce soir, là. Je vais faire une petite soirée, ouais. Je vais faire une petite soirée sur un jeu, là. Un jeu tout ça à la mode, là. Call of Duty, mais j'ai envie d'exploser des écrans à chaque fois, tu vois. Ah ouais, je comprends, avec ce jeu de mort aussi, là. Oui, j'entends. Mais alors, lui, on l'a pas entendu. Il transfère quoi? Il transfère qui? Il transfère des gens à la fédérale. Essaye de savoir qui. Mais si, tu forces. Tu es le capitaine, tu fais un effort. Vas-y. Pourquoi un intérim? Mais t'es con ou quoi? Moi, oui, bonjour, vas-y. Vous avez appelé un taxi, monsieur. Ok, ouais, j'arrive dans un taxi, s'il vous plaît. Hop, j'ai raccroché. Ouais, tu disais? Nickel. Je voulais ma pause ou pas? Enfin, j'ai pas. Apparemment, le capitaine, GPS, bougez pas, monsieur. Nickel, le capitaine, il transfère des gens à la fédérale. De qui? Bah, je sais pas, je vais me renseigner, je te tiens au jeu. Viens au parking central au cas où. J'ai un client, mais je le sens pas, c'est bizarre. Qui est toi? Ok, vas-y, je te. Il y a une voix de canard, vas-y, suis-moi. Je vais faire un client avec une voix un peu bizarre, là. Donc, Jameson, monsieur, au cas où. Je te suis derrière, mais pas de trop proyer, d'accord? Ouais, voilà. Je te dis si c'est safe, hein. Je vais laisser la radio allumée. Okay. Il avait une voix un peu bizarre étouffée. Je suis juste derrière. Bonjour, c'est pour le taxi, man. Bonjour, allez, montez, monsieur. Tu as père carré.
Je vous dépose où? Ah, je vous mets le point. Ça sera dans le sud de la ville, s'il vous plaît. Vers la supérette du sud. La supérette du sud, très bien. Tout à fait. Je vous laisse mettre le point, monsieur, quand même. Voilà. Super. Allez-y, allez-y, vous carré. Ah, vous avez une escorte, c'est... Non, non, vous inquiétez pas. Oh, mais si, on avait si, déjà si. Discuté, messieurs, par rapport à des sons brasses, me semble-t-il, non, qui vous embêtaient. Oh. Ah bon? Bon, j'ai discuté de ça avec un autre balas, hein. Je vais directement à la supérette. D'accord, ok. Non. Vous êtes qui, là, chez Taxi, là? Je suis le directeur, oh. Monsieur. Ah, ouais, je vais peut-être parler avec vous, alors. Ah, voilà. Non, 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 oh. Mais ça me dit quelque chose. Vous êtes balas, c'est ça? Bon oeil, bon oeil. C'est pas mal, man. Tu devrais faire peut-être enquêteur. Non, ça va aller, ça va aller. Lancer une série américaine, les taxis, Expert Miami... Ah, Expert Los Santos, bah franchement je pense, hein, sous une couverture de taxi, être flic en secrète, etc. et tout, parler à tout le monde serait pas mal, hein. Ouais, ça serait pas mal, c'est vrai, hein, vous avez pas tort, hein. Ça serait vraiment ah, cool. Ah, t'as fait. Mais ouais, on a parlé récemment, de toute façon, il faudra qu'on reparle peut-être un de ces quatre, ce serait intéressant. D'accord, bah écoutez, y a pas de souci en tout cas. Ouais, parce qu'il y a pas que les taxis qui ont des oreilles et ouais, j'ai des questions à vous poser du coup. Je suis comme un journaliste, vous voyez. D'accord, vous avez des questions chose. À me poser, à quel sujet? Non, pas, j'ai pas vraiment des questions, mais juste discuter, voir. Ce que les taxis allez, entendent, allez, etc. Ah, je vous dois combien du coup? Ça me fera $100, monsieur. Ah, très bien, je paye ça tout de suite. Allez-y, tenez. Ah, merci, monsieur. Je suis à la supérette du sud. Voilà. Rentrez bien, faites attention à vous, puis à très bientôt. Hein. Ouais, vous inquiétez pas, Balas Gang. Hein. Bon, en gros, pour la faire courte, c'était un Balas. Il m'a dit à bientôt, parce qu'il aimerait me parler. Je ok. Sais pas quoi, donc on verra. Ok, mais rien à signaler, tout nickel. Bah, pas grand chose à signaler, mis à part qu'ils avaient un problème avec les sombras, donc on verra à ce moment-là. Ok, ça marche. Bon, bah, je retourne à l'Ali Speedy. Ouais, là j'ai refait un autre client, à très vite. Oui, allô? Oui, excusez-moi, j'avais pas reconnu ma sonnerie de téléphone. Oui? Y a pas de souci, vous avez appelé un taxi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh bien, j'arrive tout de suite, madame. Ok. Pour bébé très malade, moi, à pas avoir beaucoup d'argent. J'ai pas compris. Je vous attends. Très bien. Comment vous dire? Il y a une dame bizarre qui m'a appelé, qui appelle le service taxi, et qui est d'un coup passée en mode un peu gitan. Ok. Donc... Tu veux que je revienne avec toi? Elle a dit je vous attends. Bah écoute, on va voir, hein. Je sais pas vers où c'est exactement, mais j'ai l'impression qu'elle droit, va essayer de me sucrer. Je vais laisser la radio allumée et je vais te dire où elle veut, tu vois ou pas? Ok, et dès que tu me dis le point, moi je file directement ce point. Oui, alors. Oui, vous avoir position de moi? Moi avoir position de vous, oui. Ah, d'accord. Merci, à tout de suite. À tout de suite, madame. Ah, mais là, je peux plus tout gérer, là. Ah, bonjour. Bonjour, madame, c'est le taxi, allez-y. Ah, parfait. Donc, je vous explique. Je suis à la recherche d'un vélo, ok? D'accord. Je viens d'arriver, je viens du Texas. Donc, j'ai été boire un petit coup, histoire de bien me bourrer la gueule, oublier ma vie de merde. Pourquoi j'ai quitté le Texas? Sauf que là, maintenant, je me retrouve à arpenter la ville en courant. Bien sûr, oui. Et voilà, je veux juste un vélo. Donc, si vous savez où je peux en acheter un, ce serait pas mal. Eh ben, écoutez, je ne sais pas du tout, madame, mais je peux vous déposer où vous voulez, ceci dit. Un marchand de vélo. Vous ne savez pas, donc du coup, bah, je suis là pour rien. Du coup, vous êtes là pour rien, oui. Bah, en fait. Et moi, je suis venu pour rien. Est-ce que vous faites garde du corps quand je suis dans votre taxi ou pas? Pourquoi? Parce que, bah, je vous explique, j'ai essayé de tapiner deux motards. Dans le bar pour pouvoir avoir de l'argent, sauf qu'ils ont pas trop apprécié, donc je suis actuellement recherché. Vous êtes recherché par qui? Par les motards que j'ai essayé de tapiner sur Twitter. D'accord, mais vous savez que je garde déjà mon corps, ça sera pas mal. Comment ça? Bah, je garde mon corps, ça sera déjà pas mal. Ouais, mais... Dans cette ville, on a vite fait de se faire tirer dessus, madame. Est-ce que vous voulez que je vous dépose ailleurs? Parce que peut-être rester à côté d'eux... Ouais, attendez, passez devant le Bahamas, et comme ça, s'ils sont là, je leur fais un petit doigt, genre, et après vous roulez comme dans... Comme dans Fast and Furious. Un peu non, d'action dans votre vie. Je roulerai comme... Non, mais on va peut-être rouler comme dans les lois, madame. Attendez deux secondes. Juste, je baisse le pare-soleil parce que là, j'ai le soleil dans les yeux. Vous voulez que je vous dépose là ou pas, madame? Non, non. Allez-y, bah attendez. Ça serait dommage. Cachez-moi. Oulala, je ne suis pas là du tout. Ce n'est pas moi qui ai voulu vous tapiner. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un connaît cette dame à ma droite? Je m'appelle Julie. Elle s'appelle Julie. Excusez-moi. Oh putain, merde. Vous voyez. Oh putain, restez là, madame! Dis-moi mais quand t'es à la destination. Faut pas voler un véhicule! Johnson. C'est parti en couille. C'est parti en couille, y'a une cliente qui a volé un véhicule, putain. T'as pris un vent, mon frère? Vas-y, casse les couilles. Mais messieurs, c'est à vous le véhicule qu'elle a volé là? Bah non. Non, c'est pas, mais elle est sacrément bonne par contre. Ouais, non, on voulait vite voir son cul. T'as commencé la tapine, cette pute. Elle s'appelle Julie si vous voulez la retrouver. C'est vrai? Vas-y. Oui, allô, madame? Mais vous êtes complètement malade! Mais c'est vous qui avez volé un véhicule? Non! Mais en fait, vous savez qu'ils vous veulent rien, hein? Je suis en train de parler avec eux, là. C'est la tapiner dans une poubelle. En fait, j'ai volé mon véhicule déjà volé. Bah, je reviens, du coup.
Vous êtes bizarre. Ouais, reviens. Hein? Elle revient? Ouais, ouais, mettez-lui un petit coup de pression. Allez là, elle, lui. Ok, je suis toujours en stand-by. Non, c'est bon, c'est juste une dame un peu folle, je crois. Oh putain. Vas-y, pourquoi t'as volé la voiture? Madame, va falloir vous calmer. Bah, c'est ma voiture, on s'est déjà vu tout à l'heure. Bah, vas-y, mais pourquoi tu te gardes sur un stop aussi? Bonjour madame. Ah, je ne l'avais. En fait, je l'avais pas vu vraiment. Bah, ouais, tu prends trop la route sympa. Ah, muy bien. Et madame, parle comme un putain bouffeur de Jaco. Vous êtes devenu riche depuis tout à l'heure? Madame, je vous emmène quelque part ou pas? Ouais, t'as l'air, t'avais pas d'argent. Attendez, excusez-moi, vous savez juste où je peux acheter un vélo, s'il vous plaît? Vas-y, donne-nous le sou, on va les placer. Ouais. Non, c'est bon, allez. Vas-y, t'inquiète, l'argent. Ouais, c'est un 100 euros. Vous avez fini de me racketter tout à l'heure. Hein. Ouais, hein, mais non, je crois pas. Mais de rien du tout, on t'a pas racketté. De toute façon, si on t'avait racketté, on aurait un service. Je dépose ce petit doigt. Ah, vous avez des mythes, hein. Vous avez des mythes, hein, sur l'épaule, hein. Vous ferez gaffe, hein. Mais non, c'est parce que je me suis battue avec mon ex-mari et donc du coup, bah. S'en fiche, madame, putain, arrêtez de raconter votre vie, c'est plus possible, là. Mais y'a tout le monde qui me parle, vous voulez que je fasse ça comment? Vous êtes énervé, monsieur. Messieurs, excusez-moi. Oui, oui, je suis chauffeur taxi, je suis pas assistant social, putain. Ah, ouais, vous êtes patron des. Vous êtes patron des taxis. Non, je suis pas patron des taxis. On va recruter. On va bien travailler. Je recrute pas, messieurs, désolé. Et nous, on fait du service, bah ouais, du service custom. Messieurs, vous êtes, vous êtes qui, hein? On est qui? Mais moi non plus, je les connais pas. On est les Bluffs. Qui? Présentez-vous, je sais pas, messieurs. Bah, on est les Bluffs. Toi, t'es moi, qui, c'est Boston. Les Bluffs? Les Bloods. Les Bloods. Ah, les Bloods. Ah, d'accord. Bloods comme le sang, je suppose. C'est ça. Bah ouais, c'est comme les. Est-ce que vous avez un peu de cam ou pas? Non, j'ai pas de cam. Moi, vous parlez à moi? Non, je parle aux Bloods. Non mais madame, on n'est pas là pour faire du business. Excusez-moi, messieurs, passez une bonne soirée, messieurs. Non. Mais donne ton bigot, là. Bon, madame, soit vous échangez votre numéro de téléphone, soit on s'en va, mais faites quelque chose très vite, ça m'énerve. Passez-moi votre numéro de téléphone, madame. Oui, je vous donne ça tout de suite. Ah, j'avoue, moi, je vais te le prendre au passage. Et après, on roule. 22-58. Ah, vous êtes sérieux, là, les man? Oh. Bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Quoi, mais vas-y. Allez, bougez-la, bougez-la. Attends, c'est moi. Ah, mais je me suis pécho de la cam, en fait. S'il vous plaît, j'aimerais faire mon boulot. Est-ce que je peux faire mon boulot, madame? Donnez votre numéro et on y va, vraiment. Ouais, c'est bon, c'est bon. 5-5-5-22-58. C'est bon, vous avez fini de crier sur tous les toits, on peut y aller? Ouais, c'est bon, bah, je crois, c'est bon. Bon, passez une bonne journée, messieurs. Yes, à vous aussi. À tout à l'heure, poulet. Madame, faut arrêter de faire des trucs comme ça, c'est dangereux dans une ville, hein. Vous pensez que j'ai le potentiel pour devenir une star? Une star de quoi? Partout où je passe, tout le monde trépasse. C'est un slogan d'album. Je suis pas sûr. Par contre, je connais un journaliste. Vous voulez faire un article? Ah ouais. Ok, bougez pas. Ça, c'est une bonne idée d'arnaque. Je peux me faire passer pour une star du Texas. Eh ben, attendez. Vous voulez passer pour une star, hein? Ouais, comme ça, les gens, bah, ils vont aussi. Comme ça, je pourrais avoir tout gratuit. J'arrêterai de faire des arnaques sur le parking. Ou de voler aussi. Je vous emmène où, madame? Enfin, je vole pas, mais j'emprunte. Et là, vous comptez payer, là? Alors, bien sûr! Oui, Jameson. Jameson. Ouais. Je suis avec une dame un peu particulière. Ouais, ok. Elle veut devenir une star. Une star? Elle veut devenir une star. Vous voulez devenir une star de quoi, madame? Une star de quoi? De la chanson? Peu importe. Elle a dit peu importe. Ah, ok. Ça lui éviterait de faire des arnaques et... Moi, je fais du rap. Elle fait du rap. Attends, il y a une voiture de flic qui me suit, là. Elle fait Attends. Du suivi par une voiture de flic. Ouais. Ah, c'est bon, ils ont tourné. Cassez-vous, là. Ouais. Y'a rien qui va dans cette ville, ce soir. On voulait faire du rap, madame. Ouais. Elle veut faire du rap. Est-ce qu'elle a du talent? Est-ce qu'elle a quelque chose? Voyante. Et faire le ménage aussi, s'il veut. Voyante et faire le ménage, si elle veut. Aussi. Ok, ouais, ça y a une... Là, on est sur un large spectre, hein, de on est talent, sur un hein. Très gros spectre. Un peu trop gros, le spectre. Je vois. Et demandez-lui si c'est où je peux trouver de la carte. Vas-y, elle est où? T'es où? J'arrive. T'es où? J'arrive. Je vais évaluer ça de mes propres yeux. Ok, viens. Viens. Bah écoute, je t'envoie une position, j'en ai marre. Ok, vas-y, à tout à l'heure. Bon, je vais vous présenter mon frère qui est journaliste. Ouais. Dans la ville. Bon, c'est mon demi-frère, mais c'est comme la famille. C'est un frère, en gros. Vous avez compris? Ouais, j'ai compris. Voilà, il est journaliste, il est directeur des journaux. Ok. En gros, faites pas n'importe quoi. Ah non, pas du tout, mais non, moi je fais jamais n'importe quoi, vous savez. Ouais, non, je Par sais contre, pas Par contre, c'est incroyable hein, pour votre taxi, les sièges sont confortables. Hein. Ouais, c'est des bons, hein. Et encore, ouais, hein, ouais. Vous avez pas mis le mode chauffant. Hein. Et ouais, mais c'est cool parce que je cache pas que là, j'ai marché toute la journée, donc je me repose un peu, ça me fait du bien. Bah ouais, mais vous marchez pour arnaquer les gens, c'est ça? Bah pas encore, enfin non, pas aujourd'hui, enfin je viens juste de revenir en fait. Mais madame, on va nulle part dans la vie en arnaquant des gens. Si bon, si vous voulez, j'étais chef d'entreprise avant, d'accord? D'accord, entreprise de? Vêtements. Vêtements. Oui, d'accord. J'avais une boutique qui s'appelait le Beautiful. D'accord. Non, c'est vrai? Elle est devenue quoi cette boutique? Bah le problème, c'est que j'ai arnaqué l'État, du coup ils m'ont sucré. Ah oui, ah bah faut pas rigoler avec l'État. J'ai pas tout déclaré quoi. Donc on m'a mis sous tutelle. J'entends bien. Le problème c'est que je me suis tapé le gouverneur, donc il essaie de me couvrir, mais il a fini en taule, donc Ah, j'entends bien. Oui, allô? Oui, Jameson, viens au service taxi, s'il te plaît. Ok, j'arrive. Ne sait pas de toute évidence où aller. Ok, j'arrive. J'ai vraiment besoin de coke, par contre.
De quoi, pardon, excusez-moi? Vous avez besoin de... J'ai besoin de cam, parce que là, je vais faire une crise de manque dans pas longtemps, je le sais, et je suis pas bien. De cam, c'est-à-dire du coke? Peu importe, de l'eau et de la je coke. Vous emmenez une petite supérette, ils vendent du bon Coca-Cola, vous voulez ça? Un bon gros rail, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que là, je commence à... Ah bah, je connais la gare ferroviaire, vous voulez que je vous y emmène? En fait, je me connais, le problème, c'est que quand je commence à... En fait, je commence à être super excité, et là, je commence à avoir des sueurs, je commence à me sentir pas bien, et quand ça commence comme ça, après... Bien sûr. Je fais des crises, je me maintiens, mais après, je loupe le coche. Et... Vous explosez. Ouais, là, je commence, en fait. Bien sûr, j'entends bien. Mais là, va falloir pas exploser, quand même. Non, vous en faites pas. Non, parce que si on va devoir... Vous voulez que j'appelle les soins? Parce que j'ai aussi un demi-frère, figurez-vous, qui est directeur d'un hôpital. Dis donc, vous avez une famille nombreuse? J'ai le bras long. Ouais. Calmez-vous, madame. Oh putain, ça a pas de... Ah non, mais alors, par contre, madame, s'il vous plaît, on passe des entretiens. N'importe quoi, d'accord? Je vais vous demander de vous tenir un minimum. Pas de soucis. Vous pouvez sortir, madame. Ok. Bon, on va passer par ici, si vous voulez. Attendez, bougez pas, il y a une petite facture tout de même, vous le savez. Il y a pas une petite ristourne. Pour bébé, très malade, moi vraiment très pauvre. Ouh là là, divorce difficile. Voilà, vous avez une belle ristourne. Ah, oh, merci. Tiens, voilà. Attendez, je peux vous dire un secret? Oui, bien sûr, oui. Vous m'excuserez pour la trace de sueur de marée sur votre siège, mais c'est parce que c'est la crise de manque. Non, c'est les sièges chauffants, vous inquiétez pas, mais moi, vous m'excuserez pour ma trace de sueur sur le siège. Bonsoir, ça parle de sueur, j'adore. Ah, ouais. Bah, ça parlait de raie de sueur, bon. Bonsoir. Bah alors, c'est qui la prochaine star, là? C'est moi, c'est Heidi Brooks. Je vous présente Jameson, directeur du journal. Enchanté, monsieur Jameson. Enchanté. Ravi de vous connaître. Bah, enchanté aussi. Alors, le problème, c'est que cette dame tourne sous diverses substances. Non, j'adore. Messieurs, dames, très bonne soirée. Le Fanta. Très bonne soirée à vous, monsieur. Le Fanta, ouais, faut pas le sniffer, le Fanta, par contre. Hein. Bah, justement, c'est le problème, c'est qu'il a tendance à sniffer un peu trop ce qui passe. Ok. Donc, madame, vous voulez un article ou pas? C'est ce que font les stars, non? Ouais, je veux bien un article. Et vous savez que c'est payant? Ah oui. Et oui, mais si vous faites de moi une star, vous aurez encore plus d'argent après. C'est le business, vous comprenez ce que je veux dire? Salut, moi. Regardez, il faut avoir le sens du business. Est-ce que je peux te prendre un instant? Excusez-moi. Vas-y, prends-moi. Vite fait. Allô? Excusez-moi, madame, bougez pas. Oui. Madame, je vais vous demander de rester calme et de pas voler de véhicule cette fois-ci. Non, vous en faites pas. Ouais, bon. Ces deux personnes de test sont exactement ex aequo. Et entretien, terme d'entretien aussi. Okay. Il va falloir les départager. Un petit octogone à l'ancienne? Un petit octogone? Ah bah, je sais pas, messieurs. Est-ce que vous êtes plein en santé? Messieurs, un petit octogone, ça vous tente ou pas? Bah, je vais enlever mes lunettes et... Voilà, ça commence à me plaire, ça. C'est parti. Si c'est les règles. Bah, excusez-moi, okay. Madame, vous voulez voir un petit octogone? Ça va peut-être vous calmer un peu. Ah ouais, est-ce que je peux casser les gueules, moi aussi, ou pas? Ok. Vous pourrez entrer dedans à la fin, mais vous pourrez vous faire casser les gueules aussi, hein, par contre. Hein. C'est donnant-donnant. Hein. Ah bah, super. Ouais. Ok, allez, venez. J'ai l'habitude au Texas. Bien sûr, quand alors, vous souhaitez. Écoutez-moi bien, messieurs. Donc, oh là, remettez votre t-shirt, messieurs. Vous allez avoir froid, là, vous êtes pas bien. Voilà. Vous êtes apparemment deux grands employés, enfin, en tout cas, deux futurs grands employés de Taxi. Celui-là va pouvoir gagner sa place chez Taxi. Ça va être un combat. Il a parlé, t'as parlé, j'ai parlé, Octogone. D'accord? Combat sans règles. Manu, ouais, le contrat, il est signé. Voilà, le premier qui tombe, il a perdu. Vous êtes prêts ou pas? Bon, attendez, calmez-vous, s'il vous plaît, putain, calmez-vous, pardon. Ouais, calmez-vous. La bagarre! Voilà. Voilà vous... Okay. Allez, on s'écarte. Allez, écartez-vous, madame, s'il vous plaît, vous allez prendre des coups. Bon, faudra pas. Mon, tu donnes le signal, s'il te plaît. Bien sûr. Regardez, madame, comment ça se passe au service taxi. Ouais, je regarde. Bon, à mon top. Et en fait, celui qui perd, vous payez pas, c'est ça? Attends, il y a un octogone. Non, celui-là, oui, c'est ça. Oh, comme d'hab. J'avais des infos, ça, c'est à dire, mais ça va attendre. Mais démonte-le. Oh ouais, dommage, oh, on l'esquive d'esquive, attention. Il le prend par derrière. Oh oui, il l'a esquivé. Oh là là. Oh la belle esquive. Oh là là, il a perdu son chapeau. Et dire qu'on a passé les tétons, putain. Oh là là. Et dire qu'on a pris aucun des deux, putain. Ah là là, je pense que vous devez être viré. Bon. Messieurs, moi tu leur annonces la nouvelle, s'il te plaît. Oui, bon, c'était juste pour le plaisir de vous voir vous battre. En fait, on vous prend vous deux. Voilà. Ouais, mais c'est comme ça le service taxi, vous serez... C'est beau. C'est parfait, plaisir. C'est beau. Donc, messieurs, merci. Félicitations. Vous êtes, vous rejoignez vous deux, vous aurez un véhicule. Moi, on va vous expliquer la suite. Ouais, je suis au service taxi, mais t'es con, mais... Je vais m'habiller parce que je crois pas ça. Pourquoi tu voles des voitures des gens? Bah, démerde-toi, hein. Non, putain, hop, je vais raccrocher au nerf. C'est Manfield. Mais il a volé la voiture de quelqu'un de connu. Et Manfield, on aura des nouvelles dans combien d'années? Bah là, il était en entretien. Bah justement, il vient de m'appeler, il était avec le commandant capitaine là. Okay, il m'a expliqué pour hier ce qui s'est passé en fait. Oui, mais tu sais qu'il y a une dame un peu bizarre. Non, mais c'était c'est le je comprends bien, j'entends bien, voilà. J'entends bien. Le positionnement officiel bien sûr, de la LSPD. Je comprends bien. Voilà. Bon, à la star là, qu'est-ce qu'on va en faire là? Écoutez, je suis pas un morceau de pâté, donc à vous de me dire, c'est vous le journaliste, non? Moi j'adore le pâté. Moi aussi j'adore. Non mais écoutez, je vous ai présenté un journaliste, vous pouvez faire un article, c'est payant. Mais par contre, l'article sera qualitatif. Donc, soit vous voulez un article, et dans ces cas-là, vous me payez et on vous fait l'article. Soit vous remontez dans mon taxi, d'accord, et je vous emmène où vous voulez.
Et puis, Tchernel, là. Ok, moi, j'ai une question. Regardez-moi. Oui. Je suis la future grande star de Los Santos. Une star internationale. Non, mais une star de quoi? Une star de... Mais de la chanson, je fais du rap. Moi, je connais des gens qui font des événements, des concerts, etc. On peut peut-être vous glisser là-dedans. Vous êtes agent aussi ou pas, vos heures perdues? Non, mais c'est juste qu'on connaît un peu de monde. Vous voulez vous faire du bif ou pas? De la moula, du caramel? Ouais. Du bobo. Ok, ouais, mais je suis diabétique, faut faire gaffe, hein. Quoi? Pour le caramel. Il est diabétique. Bah pour le caramel. Y a pas du caramel sans sucre? Bah non, parce que le caramel c'est du sucre. Ouais, mais avec de l'asparte. Enfin bref, on s'en fout en fait. Ouais, bon. J'ai besoin de cam là, j'ai besoin de drogue, vous voyez? C'est vrai? Oui. Donc en gros, l'article ça me servira au moins à me faire un peu d'argent, c'est à arnaquer quelques petits cons et pouvoir me droguer en fait. Voilà. Attendez, là, vous voyez lui là-bas là? Ouais. Vous pouvez l'arnaquer, il va vous faire des billets, c'est sûr et certain. Oui, alors, c'est sûr. Il est con comme ses pieds, vous faites voir un téton et vous fouillez 500 balles. Pour le coup, je peux vous dire qu'il est vraiment con. Ah ouais, bah lui on l'a. Il a été versé trop près du mur. Ok. Attends, et bougez pas. Oui, oui. Bonsoir. La future rappeuse de Los Santos, mon pote. Bonsoir. Ouais, c'est moi. Mais avant ça, je vous explique. Vous voulez un petit avant-goût de mes talents ou pas? Je suis aussi voyante. Je lis l'avenir. Voyante? Ouais, elle fait tout, hein. Elle fait tout. Lisez-moi l'avenir. Vous avez une tête de boule. Boule de cristal. Donc je peux lire dans vos rênes. Est-ce que vous avez des... Merci, vous expliquer. Je sens chez vous que vous avez tendance à être trop gentil avec les autres. Vous avez perdu quelqu'un récemment à cause de ça, une amitié. Si, si, une amitié, ouais, je le sens. Ouais, ouais, quelqu'un... si, j'ai perdu une amitié, ouais. Ouais. Pour tout le monde, béret. Ça doit être ça, du coup. C'est ce que je voyais. Et je vois qu'il y a une femme qui vous intéresse et... Non. Ou alors qui vous c'est intéresse, c'est votre ex-femme. C'est un homme en particulier, il porte... Il a des lunettes. Attendez, vous faites une fixation, vous êtes un pervers sexuel, c'est ça? Bah non. Ah, non, c'est il a des chaussures blanches, noires et jaunes. D'accord. Oh, shit. Vous avez perdu... Attendez, je capte quelque chose. Je capte quelque chose. Vous avez perdu votre grand-père, non? Non, plutôt du sexe féminin. Mais ouais, c'est ma grand-mère, ouais. Ouais, mais elle avait de la barbe un peu, non? Je vous permets pas. C'était du duvet. Je sens dans votre vie que vous allez réussir professionnellement. Vous allez rencontrer une femme qui s'appellera Barbara. Vous allez avoir deux enfants. Un mourra noyé, mais l'autre survivra. Alors on le reste, on s'en fout, vous voyez ce que je veux dire? Un noyé? Ouais, mais c'est pas grave. À quel âge? À quel âge? À 7 ans. À 7 ans. C'est oh le pauvre, 7 ans pile. Ça va, il t'aura supporté 7 ans, c'est déjà pas mal. Ouais. Et puis je ferai pas exprès de le noyer. Oui. Vous allez perdre une couille, vous allez perdre une couille dans une bagarre. Vous allez avoir des problèmes, tout devient sombre. Tout devient sombre. Mais attendez, la question c'est que... comment vous savez que j'ai encore des couilles? Je sais pas, je sens que vous allez en perdre une en tout cas. Ça, je suis désolé pour vous, elle va rouler sur le sol, vous l'avez répondu. Vous voulez tâter pour voir? Ça dépend, vous me donnez de l'argent en échange ou pas? Vas-y, on se retourne, on regarde pas. Hein. Vas-y, hop, ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Hein. Bien sûr, on n'est pas à Vegas, là, James. Bon, chèque 8 dollars. Je ne veux pas être généreux, regardez, je suis là, je suis une petite femme seule, qui l'avenir aux gens, j'ai rien dans ma vie. Une petite femme qui me demande de l'argent pour me tripoter les couilles, qui fait du rap et qui lit dans l'avenir. Vous êtes un peu une pute, quoi. Ça me rappelle ta mère. Oh, on se calme, s'il vous plaît, stop. Moi, stop. Stop. Hey. Calm down. Aïe. On se calme. Oh, c'est bon. Calmez-vous, putain. Oh, mais c'est un service taxi. Tu l'as démonté. Attends, hein. Il m'a putain de attends, voilà. Ça, madame. Putain, attends, regarde voir. Jameson, regarde voir, je crois que j'ai rouvert la plaie, non? Attends, elle m'a mis un pain dans la gueule, putain, mes lunettes. C'est bon, madame, venez. Johnson. Ouais, elle m'a fait mal aussi, bon, hein. Bon, je vous emmène tous à l'hôpital, et venez avec moi. Et c'est, vous êtes insupportable. Bah attendez, si vous voulez, j'ai une voiture, je l'emprunte à non, quelqu'un. Venez avec... Non, tu as volé une voiture et tu l'as mis devant le service taxi, tu te fous de ma gueule ou quoi? Du coup, là, ça commence. Venez, madame, venez. Eh, viens. Il vit, c'est ça? Non. Oh merde. Allez, montez. Vas-y, grimpe. On va s'occuper de vous. Putain, c'est pas vrai, hein. On peut pas, ça peut pas se passer bien une seule soirée ici, bordel. Mais le seul problème, c'est que j'ai pas eu mon argent, quoi. C'est on va te trouver de l'argent, t'en fais pas. Il a pas l'air si con que ça. Si, il est con, il est vraiment con. Si. Tenez un mouchoir. Tiens. Merci. Voilà, de rien. Et c'est qui, la femme qui est avec toi, on dirait une cinglée? Ouais, c'est ça, c'est une cinglée un peu camée. Elle est gentille, hein, mais... Ça s'appelle comment? Je sais pas, vous appelez comment, madame? Ivy. Ah, Ivy, elle s'appelle. Et je suis pas cinglée. Elle est pas cinglée, elle est pas canée. Il y a moyen d'avoir des pipes pour pas cher, les gars. Moi bien, mon coco. Ah bon, t'as proposé combien? En tout cas, manqué de respect, je te jure que la prochaine fois que je te retrouve, je te mets un tournevis dans la cheville, je le tourne. Et tu vas hurler tellement fort. Eh, tu m'as déjà mis une patate, hein. Alors que... Mais je suis capable de faire pire. Jameson, t'as quand même été fort, hein. Ah bah, t'es pas obligé d'insulter non plus, hein. J'ai pas insulté. Elle a déjà des problèmes. Oh putain, il y a. Oh putain, attends, il y a beaucoup trop de monde là. Ouais, fais chier. S'il pose des questions, on dit qu'on est tombé dans les escaliers tous ensemble. Hein. Ok. Ouais, mais il y aura l'autre abruti qui va venir et tu te dis bien qu'il va pas dire ça. Oh non, mais je lui, sais, je vais porter plainte comme ça, je vais me faire de la thune. Non, madame. Oui. Je vous ai toujours respecté, moi, pour le coup.
Bah, vous êtes le seul, ouais. Bon, ah bah c'est sympa. Portez plainte alors, vous finirez pas dans une cave comme ça, d'accord, madame? Ok. Ah. Voilà. Allez, on y va. Bonsoir. Excusez-moi, monsieur le shérif, il y a des soins ici. Négatif. Comment ça, négatif? Il est où, Parkinson? Il y a personne. Aucun médecin. Eh, on va vous trouver quelqu'un, vous inquiétez pas. Il a quoi, le monsieur, là? J'ai été raflé par une balle et... Monsieur, vous voyez combien de doigts, là? Deux doigts? Un doigt? Ouais. Vous avez un doigt, là. Et vous en sentez combien, maintenant? Oh, voilà. Ne touchez pas, monsieur. Si vous... Monsieur, tirez sur mon doigt. Ouais, c'est un diagnostic. Non, non, je la connais, celle-là. Bon, on n'a rien pu faire, il est mort, monsieur le shérif. On va appeler Parkinson. Normal qu'il y ait un monsieur torse nu dans les locaux. Aucune idée. Eh, Bruce Lee. Ah, mais c'est Manfield. Quoi? T'encules la BCSO? Non, mais faut pas dire ça quand même. J'ai même pas encore parlé, monsieur. Ivy. Oui. Je suis désolé. Voilà. Ok, bah moi je suis désolé aussi. Eh bah voilà, c'est ça qu'on veut. Mais quoi, tu sens la gueule? Bon, moi j'ai pris un coup quand même au passage. Parkinson, hein. C'est étrange quand ça se sent sur la gueule ici, ça se met pas des coups de couteau, hein. Jeune homme, vos gueules s'il vous plaît. Parkinson, tu peux nous ouvrir pour on doit aller voir quelqu'un et tu peux soigner tous ces gens. Ouais, est-ce que t'as un seau de pommade à nous donner? Bah, c'est plus qu'un seau apparemment là. Il peut prendre torse nu, ce monsieur là-bas. Parkinson, on a besoin d'aller voir s'il te plaît, Emmanuel. Allez. Moi, c'est pourquoi est fermé cette salle en plus? Merci. Mais normalement, elle est pas censée fermer. Ils ont besoin de toi. Ouais, ça va, moi? Ça va. Depuis que je te vois à poil, ça va mieux. Je comprends. Qu'est-ce que tu voulais, Emmanuel? Je voulais juste savoir pourquoi, quand je vous ai dit bonbon, vous avez pas réagi et vous êtes parti de l'autre côté. Parce qu'on savait pas où on était. Moi, j'étais en train de faire la tenue, j'étais bloqué dans la boutique et je savais pas où t'étais. Et les autres, je sais pas, bah, comme d'habitude, Parkinson, il soignait des gens. Et, voilà. Et tu nous as dit de pas y aller. Et tu nous as dit de pas venir aussi. Ok, d'accord. T'as d'autres questions con ou... Non, j'essaie juste de me rappeler en fait. Ah, d'accord. En gros, je vais te la faire courte. White, enfin... Bref, il t'a envoyé un message pour te dire bonbon, on est d'accord? Oui. Tu nous as rien dit, tu nous as dit je m'en occupe. T'es sorti de... On est sortis tous du bureau de Mans. T'es parti, on n'a plus une nouvelle de toi, ta radio a toujours été éteinte. Et la seule nouvelle qu'on a eue, c'était déjà à l'hôpital. T'étais déjà à terre. Oui. Non, voilà, je me souviens très bien vous avoir dit que c'était dans la rue de la Supérette au nord. Oui, tu nous as dit où c'était, tu nous as dit Ok. Ça serait bien que vous vous souveniez de ce que vous dites, messieurs, en fait, quand vous engagez. Mais c'est pour ça que je vous demande, en fait. Bien sûr, je comprends. Et ça serait bien aussi qu'on soit au courant de choses qu'on a besoin d'être au courant aussi. Parce que on vient de revenir hier et il se passe des trucs, on n'est pas au courant, on sait pas. Comment veux-tu qu'on vous aide si on connaît pas nos ennemis? Ben, je comprends pas là, ça paraît évident, c'est les Sombras. Mais je ne les ai jamais rencontrés, je ne sais pas qui c'est, non, non. Mais si, je vous l'ai dit plein de fois, patron, les Sombras. Oui, mais je ne les ai jamais croisés, je sais pas qui c'est ni rien. Je peux pas retrouver des hommes que je n'ai jamais vus ou autre. Non, bien sûr, mais voilà. Moi je savais pas que et c'était. Et je savais pas pourquoi non plus ils t'ont sauté dessus. Maintenant, je commence un petit peu à le savoir, et on le saura demain, vous allez nous l'expliquer. Ouais. Je vous avais dit qu'on avait déjà été kidnappés par les Sombras. Ah oui, et pourquoi vous seriez kidnappés à nouveau? Bah, ça, j'en sais rien. Ah oui, t'es sûr? Bon, on en parlera plus tard. Bah voilà, on en parlera plus tard. Y a pas une vengeance par hasard derrière? Mais je crois pas que c'était le but, non. Ils t'ont sauté dessus pour plaisir. Si c'était une vengeance, patron, je sais pas, je serais pas là pour vous parler. Donc ils t'ont sauté dessus comme ça? Oui, ils cherchaient des informations parce qu'ils ont chopé Jalali, parce qu'ils savent très bien qu'il avait quelque chose contre les Sombras. Ils ont questionné Jalali. Jalali nous a dit que non à la radio tout à l'heure. Ils ont questionné Jalali. Jalali a dit qu'il lui voulait rien et qu'il voulait juste s'en prendre à toi. Oui, parce que Jalali est au courant de rien, du coup ils ont voulu remonter jusqu'à moi et c'est pour ça qu'ils m'ont fait venir moi. D'accord. Et comment veux-tu qu'on le sache? Ben, je viens de l'apprendre. Non, ben voilà, c'est pour ça que, on répond à ta question initiale, on n'a pas de venir. C'est pas grave, fiston, allez, repose-toi, non, vas-y. Voilà. On va aller s'occuper de la demoiselle là-bas. Tu vas t'en remettre. T'as allez, tiens, un petit bisou. Attends, t'as demandé à moi de venir juste pour ça? Bah pour comprendre ce qui s'était passé plus tôt. Ben on n'en sait rien, on n'en sait pas plus. White nous expliquera tout demain apparemment. T'avais d'autres questions ou pas? Sur ce qui s'est passé, on n'en sait pas plus que toi. Je vais être très honnête avec toi. D'ailleurs, ça nous énerve et ça nous irrite un petit peu. Bah c'était deux hommes, Daniel White qui est décédé et Roaktar Umtari. Non mais oui, le blond c'est ça qui est vivant, non? Ouais. Lui il est vivant. Lui il est vivant. Et ben faudra s'occuper de lui, mais il nous faudra des bonnes raisons. Et bon on en a, je pense. Oui, et on verra ça demain. Allez, voilà. Repose-toi bien. Au revoir, madame. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Ouais, bonne soirée. Merci beaucoup, en tout cas. Et également. Bon, allez, fais-moi un petit résumé, là. T'as embauché combien de personnes? Deux personnes. Une place, mais vu que moi, vu qu'on est pas souvent en taxi, je vais filer mon taxi. Je partage ça avec lui. D'accord. Il y a un Martiniquais. D'accord. Et un autre, c'est un autre. Pour le Emmanuel, tu le sens comment, là? Par rapport à ce qu'on s'était dit hier. Je sais pas. Par rapport à... C'est flou, hein. Ouais, on va toujours le mettre sur surveillance. Ouais. De toute façon, dès qu'on sent qu'il y a la moindre possible trahison, c'est une balle dans la tête. La règle est la règle. Ouais. Voilà. Parce que clairement, je le sens pas. Là, son petit caca nerve à l'hôpital, il m'a cassé les couilles. C'est bien, hein, ils se mettent pas dans la merde. Et après, par contre, ils viennent faire des caca nerveux quand ils ont besoin de nous, hein. Incroyable. Ils veulent faire les grands à dire venez pas, ouais. Ouais, non mais en plus ils oublient leurs propres paroles. Bon, on va t'embaucher de nouvelles personnes, ça fait plaisir. Radio, on va rentrer à l'hôtel. Bien reçu, putain, je rentre à mon local. Son scout ici. Allez. Bonjour Jean-Paul, putain.
Merci Jean. Et ben voilà, on va dormir à l'ancienne là-haut.